Et normalement, maintenant, ça devrait mieux se passer. Enfin, surtout qu'on est tous en vocal, là. Ouais, en plus. Fango est arrivé aussi. Yep, il est là. Ouais. Ah ouais. Discret comme une ombre. Comme un prêtre. Il peut pas parler comme d'habitude. Du coup, ça va, tu lag plus du tout là, Méo. Ah ouais, là c'est bon, je suis à 21 ms, c'est bon. Ouais. En vrai, c'était peut-être Spotify, hein. Ça paraît bizarre quand même. Ça commence à avoir beaucoup d'AOE là. Ouais, ok, je bouge. Non, mais on est parti de l'autre côté. Jusque là, effectivement, on était en train de poser des AOE. On s'est enfermé. Ah, d'accord, ok. On s'est rapprochés l'un de l'autre, on a mis tous les deux une AOE au même endroit, on est en mode bon, on va où maintenant? Demi-tour. Oula. Donc ici, prendre la place, ce truc, là. Ici, Fango en mythique. Pour le premier boss, il y aura des globules. Comme en mode normal et héros. Mais il y a une grosse en plus. Et du coup, faut dépêcher les petites très rapidement pour tomber la grosse ensuite. Il faut contrôler le plus possible. Ouais. Je sais pas si en prêtre, t'as de quoi contrôler des globules, les stuns, les ralentir. Non. Que les morts vivants. Ah. On a juste un talent pour bump s'il s'approche de nous. Ah ok. D'accord. Mais il faut que je l'ai pas pris, je pense. Voilà. Il faudra pas être trop loin du boss pour éviter ouais. Un cône qui pose devant lui, qui est assez large. Ouais, donc être relativement près. Ah oui, en plus, il va bump, donc être dans son dos, mais bon, ça... Ah, il bump tout autour, ouais, tous les sens. Justement pour nous forcer à pas être trop près. C'est ça. Et puis après, il crash. Je suis jamais venu, hein, donc vraiment normal, je suis pas fait. Bah toi, t'auras juste à faire gaffe au bump, je pense. Après, et au cône. Au crachat, ouais. Enfin... Pourquoi ils sont sur toi? Qu'est-ce que tu leur fais? Ah, j'ai pas détourne là, pardon. Oui, d'accord, tu détournes. En fait, tu détournes pas et tu burst. Ouais. Là, ouais. Ah, bah oui, forcément. Moi, je burst. Là où est normal, quoi. Je lance un sort en vrai. Ah, bah, je sais pas. Il venait sur toi un instant, j'étais en mode. Ah, bah, je fais de la OE pourtant. Voilà, je détourne et. Ah, bah là, ça va mieux, ouais. Ah mais ça s'enlève ça, on peut les décaster magiques aussi pour pas qu'ils posent d'AOE au sol. Hein? Mais attends, j'essaye. Ah, y'a un gros. J'ai vu. Bon, en gros le boss il fait un peu comme lui quoi. Il fait pop dégeler et il fait un cône devant lui. Le vomissement. Et si les gelées l'atteignent, en fait, lui, il gagne un buff de dégâts. Mais le boss, si les gelées l'atteignent, ça le soigne. Oui, ça le soigne beaucoup même. Précisément, ça le soigne de 300% de la vie de la gelée restante. Attends, sa mort, je regarde ouais, ce ouais. Que... La gelée, ce qui... Bon, j'essaie de faire un décast. Ah, il y a un truc qui a disparu. Ouais, c'est le truc qui normalement pose une AOE à sa mort. Voilà. Ah bah parfait. Bah parfait. un truc en plus à faire quoi. Ouais, mais ça fait une AOE à moins à éviter pour tout le monde. Jamais on peut. Après, il y en a beaucoup donc c'est vrai que c'est chiant de tout décaster. Y'a pas un dispel de masse en fait? Pas en offensif. Ah, désolé pour le vomi sur vous. Allez, on s'entraîne à focus les ZAD. Eux, ils l'ont pas de toute façon. Ça doit être la grosse alors qu'il va avoir ça.
Ah, Méo, donjon, eh oui. Mais c'est moi ou il a déjà presque plus rien? Qui ça? C'est pas le boss. C'est pas le boss, c'est pas le boss. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, trop simple. Eh ouais, Kuma. Un Méo en donjon, ça arrive. Et en tank en plus. Pardon. Ouais, t'inquiète. Ouais, je me suis pas mis en push to talk, du coup, je vais répondre en. Au stream. Désolé. Donc pas trop loin du boss, gaffe au bump, gaffe au vomissement devant lui. Focus et contrôle les petits ads en priorité, moi j'essaie de ralentir un petit peu le gros sortir. Ad. Ouais ça. Ah il fait des maladies en plus. Là il va vomir normalement. Ça, donc voilà, là... vague de gelée, c'est ça. Voilà. Et là il devrait faire pop des ads. Voilà, je vais mettre une patinoire sur la grosse. Ok, je et les au petites milieu. Derrière. Et les petites sont derrière, focus les petites. Les morceaux ils font pas d'AOE. Ah, il y en a une qui va passer, tant pis. Oh là là, il reste une. Les deux sont passés, hein. Oh, le dispel de masse ne dispelle pas la maladie. Ok. Et il laisse pas d'AOE derrière, hein. Y a pas de décasse. Ah ok, c'était juste pour Attention, le cône. C'était juste les trash quoi. Allez, focus les boules. Je sais pas où est la grosse du coup. Normalement c'est la plus proche mais elle est là. Ok, elle est un peu ralentie. Focus les petites. Il y en a plein partout. Ouais, il y en a une qui... Ah, il y a la grosse qui arrive. Ah oh non. Attention le cône. Et ça le soigne ou quoi le chez quand ça ouais, arrive ouais, les gelés arrivent sur lui, il les mange et ça le soigne. En fait, ça le soigne de 300% des points de vie restants. Ouais, donc okay. Même si elle est à 1 PV, c'est pas grave en fait. Et du coup, je suis en train de me dire pourquoi est-ce qu'il faudrait pas focus la grosse. C'est elle qui a le plus de PV. C'est elle qui a le plus de PV, ouais. Ouais. Bon. Mettre des dots, essayer de mettre des dots à un max. Et... Essayez de focus la grosse, moi je vais quand même ralentir les petites. Ouais, ok, vas-y. La grosse est derrière le boss là. Là, on fout le boss en dessus, non? Sinon, ouais. Mais faut le tuer vite. Ouais, non, il va se soigner. Non. Ah, ouais. Ah! Là, on peut le finir normalement. La grosse, tu l'as cessé avec un hunt ou un druide. Oh, on avait un druide qui la sermentait, mais. Oh, bah oui. Il y avait des dégâts qui passaient dessus, du coup. Ouais. Là, il est trop petit aussi. Ça va être sauvé Fango. Allez, voilà. Yes. Et donc. GG. Est-ce que je vais tank à Shadowlands seulement en instant. Ouais, 6 pièces d'or, chouette. Yes, un bijou. Pas mal. C'était pas ce qu'il me fallait, mais. Ah, GG Fango. T'es en butin tank ou en butin DPS? Sauf si tu les veux pas. Putain, j'étais en DPS. Mais de toute manière, je nie de. Bah, les... Tant mieux. Oui, oui, c'est sûr. Merci. De toute manière, je nique que sur le dernier boss. Les pieds, donc. Ah bah voilà. Yes. Faudra que je vienne voir te voir tanker. Mais viens Kuma, on demande que ça. Eh oui, viens jouer Kuma. J'ai rejoint la guilde exprès pour jouer avec Méo et toi. La grosse est chargée en PV pour la donne. Ouais, en effet Fango. Ouais, du coup, je sais pas trop s'il faut... Oui, mais... c'est vrai qu'on peut lâcher plus de dégâts sur la grosse, effectivement. Ouais. Je vous ai vu en vocal, bah ouais. Bah tous les soirs, ou presque, on est en vocal. Hein. Ah, moi je suis connecté 20 heures par jour depuis une semaine. C'est ça quoi. Non, peut-être pas 20, mais pas loin.
Mais une bonne durée, ouais. En vrai, voilà. 3-4 heures du mat et 11 heures midi du mat. Où t'es où là? T'es où bah, ouais, je dirais 16 heures par jour. Ah ouais, en fait... Ah mais non, je confondais le bijou GTA. Quoi, le bijou me rend 20% de mes PV? Quoi? Ça fait beaucoup, hein. Bah tu m'étonnes. Ah mais moi non plus, j'ai plus le temps. Oui, oui. Ah ouais. Oh, ça... C'est-à-dire, apparemment, il expulse des trucs à sa mort, lui. Ouais, moi aussi, j'expulse des trucs. Toutes les 20... Attends, c'est toutes les... Et pas qu'à ma mort. Moi, tous les jours. J'expulse. Non, mais... Ah, voilà, c'est ça qu'il expulse. Même en heal, ouais. Ah, mais non, ouais. Non mais attends, c'est toutes les 20 secondes, je crache un morceau gélatineux pour chaque charge de glouton. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Cumulable jusqu'à 9 fois, et du coup, les morceaux se dirigent immédiatement vers vous et vous rendent 980 points de vie. Du coup, en fait, ouais, dès que j'ai 9 charges, faudrait que je balance ça, quoi. Ça se balance pas tout seul? Non. C'est voilà. La charge, c'est utilisé. Le crachat. La charge, c'est pas, mais le crachat. C'est ça, c'est... Blah. Yep. Oh, ça sent la 8 coras que je vais devoir faire pour me dire, hey, t'as 9 stacks. Oui, c'est ça, 9 bâtis, quoi, et le temps. Je repars en instance, Chou. Ouais, salut Kuma, merci d'être passé. Bonne instance à toi. A plus, Kuma. Et reviens dans la guilde. Bah ouais. Voilà. Oh bah qu'est-ce qu'il a, il y donne. Je sais pas. Un debuff. On va le debuff, ça sera déjà ça. Ah c'est des cacs ça, ça se prend les aveux. On va prendre le lieur de peste. Oui, il a un buff. Le gars subit réduit de 75%. Ah, ouais, marche pas dans l'eau, dans la flaque. Gaffe, il y a un gros carré à gauche. Ouais, mais le lieur de peste. Comment bon, il a plus de debuff. Ah si, il a de nouveau le buff. Quoi? Qui ça? Le lieur de peste, il réduit les dégâts subis de 75%. La gelée, focus la gelée. Mais elle aussi, elle... Elle aussi? Elle réduit les dégâts. Bah non, attends, comment est-ce qu'elle prend? Bah, dégâts subis par les... Ah non, dégâts subis par les alliés proches. Ah non, c'est elle qui donne le buff. Elle qui donne le debuff. J'avais pas lu jusqu'au bout. Je me disais bien que ça semblait un peu trop bizarre. Hein. Ouais, qu'il l'ait plus, et puis paf, qu'il l'ait. C'est ça. Donc voilà, il faut les... Ouais, focus la jolie. Sur la gauche, il y a le gros qui arrive. Ouais, restez bien. Un peu l'aggro de là où on est, mais... Non, mais ça sert à rien. Restez bien au milieu et. Non, mais je veux dire l'aggro, le body. Ah, c'est pas le lieur de peste alors qu'il faut avoir c'est les gelées. Ah, oui, y'en a pas. Oui, c'est ça, c'est les gelées en fait. Ah merde. Gros à gauche. Je sais pas si c'est moi. Ouais. Là, y a des trucs qui vont exploser. Faut les focus les limons avant qu'ils se transforment. Je fais ce que je peux. Il y a une gelée du coup. Elle a de la magie sur elle, je l'enlève.
Ah, merci Dispel. Alors ici, il faut faire toute la plateforme. Ah ouais, on n'y est pas encore, mais... encore le boss. Enfin, déjà ici, il faut s'avancer sans s'arrêter. En fait, gaffe, les bombes, elles explosent, elles mettent une grosse AOE. Focus la tentacule. Et les autres sont trop longs à tuer avant qu'ils explosent. Et ne restez pas dans les AOE. Comme dites... ça, quoi. Voilà, ne faites pas comme le tank. On repop là. Je suis au début de l'instance. Ouais, elle est pas grande, mais bon, on va essayer de tenir, hein, mais... je fais ce que je peux. Je pensais pas qu'il y avait les tentacules qui popaient, en fait. C'est une particularité du mythique. Bon. Oh, elle est pas morte, tu lui restais 2 points de vie. Ah. Non, non, c'est en normal aussi, ah ouais, hein, y a les tentacules. Ah, j'ai pas le souvenir que... Le... Bon, ok. Et on peut faire que la première, je crois. Au début de l'instant. Faut pas foncer dans le tas pour pas faire pop les deux, justement. Ouais. Bon, bah, je vous attends. Ouais. Ouais, c'est pas super long. Non, non, ça va encore. Et au moins, j'ai plus le bug d'avoir mes deux armes à deux mains encore dans le dos. Grâce à ma décorée, quoi. Ah, j'avais un bug de skin, j'étais en spé et stuff DPS, mais j'avais mon bouclier dans le dos. Et inversement. C'était très bizarre. Du coup, la tentacule? Ouais. Faites gaffe, si vous tirez sur les tonneaux, ça les fait exploser aussi. Ah bah, tirez dessus maintenant, hein. Ok. Comme ça on est sûr. Après, est-ce que ça fait du dégât aux ZAD? Je crois que oui. Ça fait des dégâts à tout le monde. Ok. Ouais. Putain. Ouais, mais eux, je crois qu'on n'arrive jamais à les tuer. En plus, ils font vitesse, ils ralentissent. La vitesse de déplacement. D'esquiver leur explosion. Ah, oh, mais non, viens ici. Je vais essayer de le bump quand il va exploser. Ok. De celui-là. Voilà, va mourir plus loin. Bien joué, ça. Et là, faut focus le mec qui est au fond parce qu'il va les invoquer en boucle. Et c'est marrant, il y avait plein de tonneaux normalement autour du mob. Peut-être random. Je suis ralenti. Ouais, faut vraiment essayer de vous barrer avant qu'ils explosent. Ouais. Enfin, avant qu'ils posent leur zone. Ouais, en effet. Alors ici... Alors, le boss relou. Ouais, alors ici, il faut faire toutes les plateformes. Ah si, je suis venu ici. Ça me rappelle un truc. Je me demande si je peux pas essayer de les pull ici, mais je sais pas si les gelées vont venir. C'est le boss qui saute de truc ouais, en truc. Ouais. Ouais. Bah focus la gelée liée. Je me souvenais ouais. Pas du premier par. Tu veux que je les pull? Non, ça va. Je tente de les pull ici. Ouais, ouais, vas-y. Tu sais pull les deux? Bah le pack quoi. Parce que le truc c'est que même quand on fait les trash, le boss il peut sauter d'une autre ouais. Plateforme et on peut l'aggro du coup. Bah on s'est fait avoir. Mmh. Ouais, par contre là... Bon. Hop. On peut les interrompre hein, si jamais. Ouais. Et donc le boss lui pendant le combat il va poser des globules sur différentes plateformes. Faudra les focus très vite sinon elles explosent. Elles font très mal. Okay. Et de temps en temps, il va sauter sur notre plateforme aussi. Donc faudra arriver à le suivre. Attention, il arrive sur vous. Oh. Barrez-vous. Ah, il saute même plus dans le bon sens.
Ouais, ouais, c'est random. Eh bah cool. Du coup, faudra arriver à le suivre. Ça va être compliqué. Surtout pour le CAC. Mais non, tranquille. Bah non, non, c'est surtout... De toute façon, il faut passer à travers et aller jusqu'à la plateforme. Hein. On peut pas rester au milieu, c'est... Mm-hmm. En fait, c'est surtout pour moi que ça va être chiant. Il donne double saut, double dash, puis voilà. Oh, par exemple. Attention, il arrive là. Bougez. Donc c'est à 66% et 33% de sa vie qui saute. Ok. Rebarrez-vous. Oh putain. Oh, ok. Oh non. Oh, il est déchiqueté. Bam, là, c'est que s'il va là où il y a les trash, on se fait taper. Ouais, le problème, c'est qu'il va aller là où il y a les trash. Et toujours focus les ZAD quand il y en a. Moi, je surveille s'il y en a sur d'autres plateformes. Bombe de peste. Mais il va me laisser heal là. Oh merde. Donne. Focus bombe de peste. Hein. Là je l'ai. Oui, celle qui met le debuff aussi. Faut absolument la voir parce qu'elle met le debuff de 75%. Ah ouais, ok. Ok, reviens ici. Ah, il revient, putain, connard. Yes, bah tant mieux. Ouais, là, il faisait juste des jumps sur les joueurs et après il revient. C'est à 33% qu'il va changer de plateforme. Bon. Attention STP. Oh yes. On a de la chance hein. Beware. Bombe de peste. Oh merde. Gelé. Allez, en fait je dois être au mêlé, pardon. Ah putain, j'ai fait. Ah je suis mort. Merde. My bad. Il y a la bombe de peste qui va exploser, on va pouvoir voir ce que ça fait. Bah ça ouais. Ça fait mal. Wow, bon bah. Maintenant on sait pourquoi est-ce qu'il faut la focus. Ah on avait perdu Illidan, à mon avis avec... Ouais, my bad, quand il est arrivé il a sauté... Ah, il fallait bouger tout le temps là, je savais même pas taper un heal. Ouais, du coup la petite gelée violette, ouais, c'est elle qui protège les alliés, donc faut essayer de la tenter. Les gelées, il faut les vraiment focus parce qu'elle protège 75% des alliés. Ouais, mais si elle est pas à côté de la bombe, on peut focus la bombe, il y a pas le buff. Et en fait à moi. Mais si elle est à côté du boss, il faut vraiment la faire de toute façon. Ah oui, faut la focus avant le boss, oui, ça, j'ai l'impression qu'à un moment je prends le buff de réduction de dégâts. Ah, c'est bizarre. C'est les alliés proches, c'est pas... Ouais, c'est bizarre. À moins que tu sois mage et que tu voles les buffs. Non, mais je vois, j'ai vu une AoE violette autour de moi, donc... On nettoie la quatrième plateforme. Ouais. Oui, parce que là on a eu de la chance qu'il a pas été dessus. Mais... On espère qu'il ne saute pas dessus. C'est quoi ça? Substance instable. Oula. Oui, bah on y va. Attends parce que. Ah, il approche. C'est pas près de moi. Ça va. Ah oui, en plus il était là, j'étais en mode. Bah, qu'est-ce que. Oui, vas-y, hein, Fango, comme ça on finit les trash le temps que t'as AFK. Ah bah non, on va pas là.
normalement on lui avait dit. Non, t'approches pas trop parce que s'il saute ici. Ouais. Oui. On va se mettre derrière. C'est bon. Pardon, je sais pas tourner. Fango il prend du dégât quoi. Alors qu'il est là-bas. Il va arriver le boss, attention. Ouais. Allons sur l'escalier. C'est ce que j'allais faire. Ah bah. Ça fait mal. Un heal qui s'est fait. Envoyer en l'air. Fango pour Atorez. Bah j'aurais le temps de prévenir. Ouais. Bon, Je vous laisse avec les limons là, j'attends. Non, non, c'est bon. Voilà. Oh, on est toujours au début. Je pense qu'une fois que lui on l'a tué, on repop tout près. Oui, on repop plus près. Non, on n'avait pas fait le dernier d'un coup. Attention, il arrive. Ah oui, en fait, quand je prends l'injection de gelée, quand elle est dissipée, ça fait apparaître un limon éruptif. D'accord. Et le limon éruptif, il fait éruption. Et il inflige 4000 de dégâts de nature au personnage joueur. Donc il y a un truc qu'on doit pas faire ? Si, justement. C'est ce que tu faisais, quoi, me dispel. C'est bon. Ouais, c'est bon. Déploie ses gelées et on voit les vagues de crasse qui se propagent dans quatre directions. Alors, il est où ? Il est en plein milieu. Bon. Ok, bah il est sur la plateforme là, on le fait maintenant ? Ouais. Tout le monde est prêt ? Vous êtes... Hein, vous êtes juste là ? Ok. Ah, attends, il va sauter. Bah, on le fait là ? Oui. Ouais. 3, 2, 1. C'est mieux en fait. Mais les plateformes sont... Ouais. Il va bientôt sauter. Limon. Putain, il prend la plus loin, quoi. Bombe de peste, focus. Et Méos, tu peux prendre la gelée violette qui va pop et l'éloigner un peu. Ouais. Bah, ah oui, c'est vrai qu'il saute. Tu peux quoi. Oh le bâtard. Bah je l'ai. Allez. Le limon. C'est bon. En fait, le limon suffit de marcher dessus, donc ça je m'en occupe. Ah ouais. Ouais. Il y a 4 cases quand même. Ça marche. Il va sauter. Allez, la même, la bombe. Ok, moi, ma Wicorem me gueule bien. Va au cac, connard. T'es pas au cas. Faut le bouger. Pourquoi faut le bouger? Parce qu'il y a la gelée tout près. Oh bah là on focus la gelée. Ah oui, ça va. Oui, c'est la gelée qu'il faut jouer. Ah oui, de toute façon. Oui. En fait, les deux sont sur moi, hein, donc. GG. Nice. Oh yes! Oh des brassards! Oh bah mon bis. Mon mastodonte descend, bis 584. Nice! Mon intermédiaire bis, ouais, bah cool. Alors attends, c'était quoi? Qu'est-ce poignée. Que je vais moi ici, j'ai même pas regardé. Malpeste.
Je savais même pas qu'il le lootait. Putain. Ah ouais, en plus ouais. Bon bah. Bravo le veau de pas se tenir au courant. Hein. Voici ouais, si, heureux. Qu'il est beau à gauche. Sa mort, ok, je dispel, là je l'ai. Bon, je dois pas être loin de 174 là. Mais oh, je suis à combien exactement? Toi qui as un add-on. Ouais, tu es à 173,1. 1 Ouais. Virgule. Ah ouais. Ça, c'est loin de 74. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il me dit que je peux être à 178 moi, ouais, venez sur la plate. Ah, mais oui, je sais. À cause de l'épée 190. Vas-y, c'est pas à stun ceux qui font les remparts. Je sais plus là, je. Tape dans le tas. Ah ouais, bah. Ah! Mouissement de peste esquivé. Ouais, je. T'es déjà au suivant ou t'es ouais, où ouais, la tentacule. Ah, mais la tentacule, faut la faire dans la flaque ou. C'est sans occupe. Regarde-moi, je suis là. La grosse. Je taunte, hein. Torve esprit qui avait l'aggro. Elle tank bien, le torve esprit. Faut pas croire. La gelée, j'enlèverai sa magie. Maintenant. Ah, je peux le faire. Ouais, mais je voulais pas prendre l'aggro en fait. Attendez ouais. Que le tank passe devant. En fait, j'ai dit maintenant. J'ai vu en appuyant sur ma charge. J'ai vu que je chargeais pas et 5 secondes restent sur l'autre. Merde. Oups. Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle, à part me donner mon légendaire? Alors, les assassins lancent assassiner. Pas mal. Les assassins, ils pop dans les. Oui, c'est ça. Elle fait, elle va faire des AOE, donc ça va faire des espèces de toiles par terre et les assassins sont dedans. D'accord. Si je me souviens bien de. Et on peut les débusquer. Ah oui, avec ta fusée éclairante. Faut les débusquer parce qu'ils nous, ils nous défoncent. Ah bah voilà. Hop là, bonjour. En voilà un. Ouais, mais après pendant le combat, hein, je oui, dis. Oui, oui. Et je crois que pendant le combat, le boss, il vise quelqu'un, il saute dessus, il fait des dégâts de zone, et je crois que ça permet de débusquer aussi des trucs, mais je suis pas sûr. Il y a beaucoup là. En fait, les camouflins, c'est impressionnant parce qu'ils sont beaucoup, mais ils ont pas beaucoup de PV. Ouais. Tapé dans le tas. Il y a un bug parce que vomissement de peste esquivé. Oui, il me dit toujours ça. Ouais, pareil. Je vais le bump quand il fera son rempart. Ok. Par là. Allez voir les petits. Merde, je suis immobilisé.
À la limite, on la laisse finir de crocheter, comme ça on rentre discrètement. En vrai, je sais pas ce que ça fait. Hein. En fait, c'est un timer qui monte, donc. Il y a 4 minutes. Ouais. Ah oui, dissimulé, non, pardon. Crochetage, 4 minutes. Bon, allez. Ouais, c'est vrai que je mets tout de côté. Non mais j'ai un truc sur moi. Voilà, donc les assassins, ils sont dans ces... Voilà, il y en a un qui... Mais faut aller les débusquer parce que... Ils nous tirent dessus. Ouais, il faut que je les aide. Ils font mal. Switch. Je suis étourdi, une toile sur moi. Sur tout le monde. Ah. Oh. Ah, j'ai l'impression qu'il faut pas rester seul. Non, 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 en fait, il faut se stacker en fait. Ouais. Ouais. En fait, j'ai. Faut avoir les assassins quoi. Il... Ouais. Ah mais putain, mon codex il est en normal. Super. Bah moi j'ai mon ma Wikora qui me gueule stack, stack à chaque fois, donc à mon avis faut. Ouais, je crois que c'est quand on est tout seul qu'on se fait entoiler. Ouais. Donc restons paquets quoi. Et sauf que quand on a la O, il faut se dépaquer. Oui, évidemment. Ouais. Donc là, on est tout seul, et à mon avis, il faut juste rester tout seul le temps de l'AOE, et puis on est étourdi quand même. Peut-être que les autres se remettent sur celui qui a eu l'AOE. Au pire, c'est pas grave, s'il y en a un qui se fait entoiler, on le DPS tous direct. C'est ça, Domina s'en prend au personnage joueur à plus de 6 mètres d'un allié et les emprunte aux zones avec entoilage. Donc ouais, il faut rester paqué les uns des autres, quoi. Donc tous au cac. Ouais. Sauf celui qui a l'AOE, il s'en va. C'est ça. Allez. Non mais t'inquiète, Fango, nous non plus. On redécouvre... c'est la première fois qu'on vient en mythique, donc... Ah oui, mais il faut être paqué, on peut être paqué les distants. Et ouais, bah oui. Les... Par exemple, la stack. Okay. Il faut aller chercher les assassins. Ouais, ouais. On a celui-là, mais il faut aller chercher les autres. Ah ouais, en fait. Putain, qu'est-ce que tu prends cher? Ouais. Ouais, j'ai un debuff de plus 100% de dégâts en fait. Merde, tombe de sort. Oh putain! Ouais, on prend super cher. Pour en focus les assassins dès qu'ils pop. Hein. Faut aller les chercher. Oui, il faut vraiment aller les faire, ah, les débusquer, les faire. Je sais pas s'il suffit d'aller dessus pour les débusquer. En fait, ce casque, elle me fait une entaille enfin une entaille qui augmente 100% les dégâts subis pendant 6 secondes. Du coup, garder mes gros CD à ce moment-là, quoi. Ouais.
assassiné inflige important dégâts pour la durée. En taille, ouais. psychotique augmente nettement les dégâts assassinés. En taille psychotoxique. Ah, ça ne... ah oui, tu peux pas dispel le poison. Non. Je peux voir le dispel de masse, mais s'il le remet régulièrement, 5 secondes de recharge, ça veut dire qu'elle va le refaire. On peut essayer. Ouais, elle le fait. Au moment, le poison, moi je peux pas. Ah putain. Ah bah. Bah voilà. Ok, bah je vais mettre. Garder mes CD pour ces 6 secondes où je prends. Mais, où ouais, je prends si on a quoi. Personne qui peut faire le dispel du poison. Ouais. Mais Illidan, attends, tu. 2 secondes. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Illidan, tu peux rester devant. Elle fait pas d'AOE ni rien et il faut qu'on soit paqué à 6 mètres l'un de l'autre. Donc tu peux rester devant le boss. Ok, ok. Comme ça, je te cours pas c'est après. Bon. C'est bon pour moi. Ok. Mais du coup, après, quand il y a les zones, on bouge, quoi. Ah, ok. Allez. You will not stop me. A single stop CD is all it will take. I will slay you where you stand. Fear the dagger in the dark. Stack. My blades will rend your flesh. Il en reste deux au fond. Stack. No target has escaped me. Stack. Switch. Ah putain, je suis entolé. Pardon. A single stop CD. Merci. Stack. Stack. Non, mais c'est pas mal. Je vais t'entourer. Oh, putain, ouais. Putain, il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Hein. Non. Je me demande si les assassins ils font plus mal quand ils sont cachés et qu'ils nous tirent dessus de loin ou si une fois qu'on les a débusqués. Bah, il faut les débusquer le plus vite possible, hein. Il faut. Ouais, c'est. Je crois qu'il vaut mieux les débusquer et les. Et puis les dégommer. Cachés, ils posent un dot qui se cumule. Là, faut vraiment foncer dessus direct. En fait, il lance une dague empoisonnée qui inflige 1000 points de dégâts, puis après 500 toutes les 2 secondes pendant 30 secondes. Ouais, ah, c'est ça, et ça se cumule alors. Tu... Ouais. Et ça, c'est que quand ils sont. Que quand ils sont. Camouflés. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc dès qu'ils pop, en fait, faut vraiment aller les chercher direct. Ouais, c'est ça. Moi, je peux en avoir un avec ma fusée éclairante. Et bah ceux qui ont des déplacements rapides, bah les CAC, j'imagine, essayez de sauter dessus okay, si ouais. vous pouvez. En sachant qu'il faut rester paqué. Ouais. Okay. Ouais, mais on peut se dépaquer 5-6 secondes. Tu vois. Ouais, si ouais. les deux CAC ils sautent plus ou moins au même endroit, de où sont les trucs. Parce qu'il faut goûter tout seul. Et pour l'AOE, on peut s'écarter que au dernier moment. On n'est pas obligé de passer les 6 secondes de l'AOE écarté. Ouais, ce qui permet. Bah, ça vide, ça réduit les chances d'être stun. Ouais, bah ouais. Pas d'être isolé. Là, il faut y aller. Pourquoi ça la découvre pas putain. Il y en a encore un dans le fond. Okay. Ne vous inquiétez pas, je m'écarte au dernier moment. Ah mais... Bah, faut juste qu'à la fin de la WoW, on soit pas paqué quoi. Ils font hyper mal hein.
Ouais, mais là, c'est bon, on a résisté. Ouais, mais on a moins de dots là, ouais. J'ai cherché celui qui est au fond. Ok. Ouais. Ouais, ça découvre pas. Ah, ouais, mais ça. Il faut faire entoiler. Ah, bah ouais. My bad. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis mort. J'avais les assassins sur moi. Ah, je me suis dit, j'avais. Je sais pas si ça se trouve, ils ont pas d'aggro. Oh pas. Non. Il y en a 3 côte à côte au fond. Hein. Ouais, j'avais. Ouais. Il en reste un à côté de lui. Il en reste un. Ah, par contre, là où eux dans le tas là. Ah, t'es gentil, c'est. Ah oui. Je suis gentil, gars. Non, 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 je parle à ma Wikora. T'es gentil, c'est Elf CD, j'ai plus rien. Bon, allez, 30%. Allez, ça, ça monte, ça monte. Enfin, ça diminue plutôt. On a compris le principe, je crois qu'on a tout. Du coup, j'ai envie de dire un truc. Oufti, ne va pas libérer les mecs, laisse-nous les faire. Comme ça, toi, tu peux vraiment te concentrer sur le heal, que vu qu'on prend cher. Donc c'est vraiment à nous, les DPS, d'aller vraiment chercher les trucs direct. Après, ouais, je peux... Bah, je jump dans un aussi. Ouais, je suis le tank, alors. Voilà, on concentre je suis tant comme ça, il est pas tout seul et je suis pas tout seul. Après, on peut rester 8 secondes hein, tout seul, on a largement le temps. Ouais, de... C'est 9-10 secondes même. Hein. Ouais, on a largement le temps d'aller ouais, chercher oui. Un truc et de revenir normalement. Enfin, sauf s'il est à l'autre bout, mais. Mais ouais, faut que le heal, tu te concentres mais, vraiment sur le heal parce qu'on prend. Fais-toi un signe à leur méo, s'il te plaît, un carré. Voilà. Alors, pour moi, carré, ça veut dire un piège de glace. C'est bon la lune. Un soleil, un string, un tenam. Comme vous voulez, hein. Allez. N'importe. You will not stop me. Je vais garder mon burst pour les premiers ZAD. Ouais, pareil. Il y en a un là. Ok, on est pas mal là. Ça l'a pas découvert là. Bon, ça a vraiment pas découvert, je suis passé à côté de lui. Ouais, je pense faut cliquer dessus en fait. Enfin, faut le cibler. Faut le faire un dégât de zone ou quoi, ouais. Il en reste un vivant. Ah, il est là. Oh là, il dit que je suis tout seul. Hein. Allez, dernière vague d'assassins, tous à côté, c'est parfait. J'ai plus de vie. On burst à eux. Sur la zone. Bien vu. Je viens de chercher ouais, au pack bon. Seul. Fini, oh, fini, c'est là, fini, c'est là. Bah, GG. Joué. Oh yes, oui GG aura. Mon légendaire. Ah bah oui. Oh putain! Ah GG là! 6 pièces d'or. C'est toujours bien 6 pièces d'or. Yes. Allez! Bon bah le dernier hein!
Ah putain! Attends, je vais bouffer un peu. Et tant que son brûlure n'arrive, hein, parce que je bouffe du poisson. Alors, c'est quoi la différence entre la dernière mythique? Pouf. Alors, elle, elle va. Bon, moi elle... je livre là, hein, merci à tous. Non, 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 tu restes, tu restes. Ouais, ouais, ouais. la dernière, elle est dans. Elle est dans. Craft, oui, ça c'est oui. Vrai que. Bré, les compos pour les crafts. Et wouh, on saute. Donc elle, elle va être dans un puits. Et elle va rentrer dans le puits de temps en temps. Du coup, et des tentacules vont pop. Tout autour du puits, il faudra éviter d'être de... C'est comme un normal, oui. Ouais, ouais, c'est... Non, c'est un retour à la surface. Ouais. Sauf que, en mode héro, il y a mythique. À 63, à 66 et 33%, elle fait pop des fidèles pesteliers. Et en dessous de 33, ils surgissent du sol de manière continue. Du coup, sauf en rage, à 33%. On n'a pas de BL là. Ah bah si seulement on avait un chasseur qui avait un bon familier. Oui. Je crois que t'es le seul qui peut, quoi, non. Non, même pas. Je suis pas spé bête. Ah ouais. Quelle idée. Mais du coup, non, on n'a pas de BL. Oh, on va s'en sortir quand même, hein. Du coup, est-ce que... Ouais. Vas-y, dis. Est-ce que nos CD de 2 minutes, est-ce qu'on les garde pour les 33% ou... Ouais, wow. Non, on claque. Ça, c'est... Ou est-ce qu'on peut les claquer au début et ils reviendront normalement claque... Moi, je dis on les claque au début et on voit... Ouais. Combien de temps ça dure. Combien de temps ça dure, ouais. Parce qu'après, c'est que des tentacules à éviter, c'est pas non plus... Ouais. Pas des assassins cachés dans l'ombre qui nous mettent des buffs. des debuffs, <déjà. rire> Non, autant tout claquer dès le début, et puis on voit... Ouais. En fait, les fidèles pesteliers qui sont là, c'est ça qui va pop. Ah, ils ont aussi des... C'est ça qui va pop, d'accord. Ils ont aussi un debuff qui réduit les dégâts de zone. 30%. On est loin. Hein. Qu'on peut dispel. Oui, oui, aïe, oui. Y'a un mob sur nous là. Ah bah j'arrive. Allô le tank, il est où le tank là? Bah il est mort le tank. Finissez, ah bah bravo. Ah bah bravo le heal. Ah bah voilà, j'ai voulu commencer à kite mais trop tard. Ah le kite ça se prend très tôt. Oh là là, on revient tellement loin. Enfin, c'est du chemin pour rien, je trouve. Allez, on s'en va. Non, j'ai dit que vous restez ici. Qu'est-ce qu'on a sur le dernier boss? Ah, ouais. Je suis jaune. Ah, bah, je vais réparer. Bah oui. J'avais même ah pas fait gaffe au décor, quoi. C'est juste trop beau. J'avoue. On dirait la taverne légendaire de Sea of Thieves. J'allais dire, on dirait Pirates des Caraïbes en un peu plus glauque. Ah, c'est ouais, ça. Vert, quoi. C'est... Oui, bah oui. Ah oui, spé du butin, fureur, hein, histoire de loot mes bottes sur elle. Oh, moi, c'est bon, j'ai eu mon loot. J'ai compris. Ah mais si je suis ah, en... y a une mascotte. Ah, ouais. Ah mais si je suis en prot, je peux la loot aussi. Oh bah ok. Ah y a des épaules, je dirais pas non. Cape de Margrave Chancre. N'empêche son design, ah, je le trouve poli. Trop. Oh, c'est pas génial. Enfin bon, ça fait du de l'e-level quoi. Je trouve trop stylé. Et le bijou. Ah ouais, le boss est trop stylé, c'est clair.
Avec même le combat, ses tentacules et tout, moi j'adore. J'ai si hâte là qu'on s'y mette. Pas de bis sur elle. Ça fait un peu Sea of Thieves. Ouais, c'est exactement ce que Aura disait. Tout allez. Fait. Team Boulon. Ta. Oui. À tes souhaits. Pardon. Allez, on se concentre, on évite bien les tentacules. Ouais, c'est la priorité, c'est les tentacules à éviter. Et je dis ça, c'est le premier à fail. Ok. Les tentacules, les quoi? Les tentacules, c'est tout. Ah, ça me semble que t'avais dit... Non. 10 secondes de détour. Ah ouais, c'est bon, t'inquiète. Ad. Ah, il faut sauter. Les fameux tentacules. Oui, voilà. Faut pas être. Voilà, faut pas être comme ça. Exactement. Oui, mais bon, ce qu'il y a, c'est que. Voilà quoi. Passe le heal. Voilà, faut pas faire ça. Ah, je me souviens que je me suis fait avoir. Et... Fango aussi, il était dans l'instance, on n'avait rien compris. De toute façon, ça tourne vite. Et comme ils ont fait un one shot, ils avaient dit, ah oui, c'était bien la preuve qu'il n'y avait pas besoin de heal dans le. Bon bah, Méo. Je suis pas dans le bon sens, ouais, bon, ouais. Mais non, ça Et voilà, j'ai gagné le BR. Il a pensé exprès pour toutes les prendre. Mais bon, je les ai toutes prises. Ah bah, j'ai dit toutes. Ah non. Ah bah, je suis mort. Ça passe. Oh, on m'a dit, je suis tank, moi j'encaisse. Hein. Mon rôle, prendre des coups. En fait, je pensais oui, mais que le premier pack là, si t'es mal foutu, c'est foutu, fini. Hein, ah ouais, moi j'étais du mauvais côté, j'ai pas eu le temps de faire tout. Ouais, enfin... faut être très proche de la boss pour pouvoir retourner très vite. Ah oui, en plus priorité éviter les tentacules, on voit ça. Ouais, en effet. En fait, l'astuce quand elles pop tous comme ça tout autour, faut vraiment aller directement là où il y a la première. Ouais. Comme ça, tu peux être à côté, esquiver, et le temps que la dernière arrive, tu te déposes juste sur la mais première. Mais en fait, ce qui est, c'est que largement. Je pensais tourner dans le bon sens, et c'est après la 5, allez, le troisième paf, je me suis dit, je suis pas dans le bon sens et je vais pas assez vite. Non, c'est le tout premier pack, il n'y a pas beaucoup d'espace libre. Ouais. Et avant qu'elle s'éclaire, tu sais pas du tout où ça va aller. Vomissement de peste. En fait, il y a un petit trou. C'est pour ça qu'il faut être assez proche du cake pour pouvoir directement aller. Oui, voilà, tu te places là, quoi, à cette distance-là du boss. Et dès que tu vois les tentacules pop, tu t'enlèves, en fait. Ouais, mais il faut repérer où il faut aller, quoi. Ça, oui, c'est... oui, oui. Bon, faut juste pas être devant les trucs par rapport au centre de la flaque, en fait. Yep. Oui, bah une fois qu'elle s'éclaire, qu'elle s'illumine, là, ça va, on voit, mais... Mm-hmm. Allez, let's go. Faut que je lui fasse... Ad. Ouais. Tu vas tuer Méo, du coup? Oui. Ok, ici, sur moi, sur le rond. Ah, voilà, ok, là, je vois bien les trous. Elle fait qu'une fois, non, elle fait pas trois fois. Non, t'inquiète pas, c'est le début. Ad. Mettez-vous entre. Il y a des ads qui arrivent. Entre, mettez-vous re. Enfin, vraiment, la priorité c'est les tentacules. Ok, il y en a trois qui pop et puis les deux autres qui ça. Pop. Okay. Hop, presque. Salope. Oui, oh, il paraît qu'il n'y a pas besoin de heal hein, ici. Ouais. Je te mélange. Ah, merci. C'est costaud les petites canettes. T'as 20 secondes de survie. Ça va faire. N'hésitez pas à regarder les patterns des tentacules.
Ah, je suis mort. Ok, là il faut aller voir face et puis après. En fait, plus vous serez près de la flaque de lave du milieu, plus ce sera facile de se mettre entre les tentacules quand il y en a une sur deux, par exemple. Ouais. Chaud, j'ai pas tout capté. Bah, faut se mettre dans les trous. Par rapport aux tentacules. Voilà, jamais en face d'une tentacule qui est en train de pop. Dès qu'une tentacule pop, tu t'enlèves de devant elle. Par rapport au centre du cercle, encore une fois. Que j'ai tué. Ouais, mais bon. Non, moi j'ai un add-on qui masque tous les boutons de la minimap. Ah, c'est ça. Pour le regrouper en haut à gauche, enfin sur un menu déplaçable et cachable. C'est pour ça. Bah, du coup, j'ai quasiment pas de boutons sur ma minimap parce que j'ai pas d'add-on. Ah bah voilà. Allez. On chope le pattern, on y croit. Et c'est bon. J'ai un add-on qui fait que la minimap est une grosse map, comme ça j'ai assez de place pour tous les boutons. Ah, c'est pour ça que tu vois plus les tentacules en fait. Add. Tentacule. Allez, sur le rond. Mettez-vous sur le cercle. Bon. Allez, c'est bon là-haut là. On a quand même tous une maladie. Ah, j'arriverai trop court. Non, c'est bon, c'est bon. Oh. Non. Oh, en fait, tu t'es arrêté. Je me suis arrêté, je crois que c'était bon et j'étais sur la première. Putain, c'est dommage ça. La même chose dans l'autre sens. En fait, t'as le temps de. Ah ouais, non, ça va très bien. Ouais, on a large. En vrai, on en a vraiment le temps. Mais il faut juste bien se concentrer et bien arriver dans le bon sens. Je n'aime pas ce bot. Moi je l'adore. Je dois revenir doucement. Ah, super, en plein combat. Donc là le debuff il y a FK en plein combat. Qui? Méo. Bon, on est tous morts mais c'est pas une raison. Comment ça il a FK? Non mais on l'a fait quoi. Bon, qui n'a pas compris? Redésolé. Ouais, je crois que compris, on a compris mais bon. Donc, priorité les tentacules. C'est quoi une tentacule? Le gros truc vert qui pop du puits. Au pire, Oufti, si t'as vraiment confiance en Méo, tu restes tout le temps sur lui. Ouais. Tout dépend à quel point t'as confiance en lui. Normalement, ça devrait aller. Sauf quand je me mets à courir dans le mauvais sens. Ah oui, ça après.
Non, il faut que je vois bien. Là, je me suis arrêté, je sais pas pourquoi, trop tôt. Il me semblait qu'il s'est plus éclairé. Je me suis arrêté. Mais... Je l'avais. Ouais, c'est vrai. Tu t'es arrêté un poil trop tôt. J'ai l'impression que le premier groupe qui fait l'arc de cercle, là, il est jamais sur toi. Non, et j'ai l'impression qu'il est toujours sur l'AD, en fait. Enfin, ah ouais que le trou est là où est l'AD. C'est une impression. Allez, 3, 2, 1. On va voir si la théorie se révèle juste. Moi je pense pas, je pense que c'est full random. Mais... Ouais, voilà. Non, là c'est bon, ça correspond. Parce que tu dois soak l'AD plus éviter les tentacules. Oui, d'ailleurs, laissez Méo soak le petit rond qui est devant l'AD. Attention. Sinon, je vais prendre des dégâts. Hop. Entre les tentacules. Bouge un petit tentacule. Peu. Attention tentacule. Attention tentacule. J'ai pris des dégâts, j'ai pas compris. C'est les fidèles. Et on bouge sur la gauche, faut bouger, attention. Ah les fidèles font très mal. Ils ont masse PV. Y'a une anade. Ah j'ai vu. Oh, c'est bon, hein. On peut aller dessus et on évite le premier coup. Merde. Ad. Ah oui, effectivement, c'est toujours à l'opposé du lad. Ça me paraît logique. Hein. Oui. Parce qu'il faut se mettre devant l'AD alors qu'il y a les tentacules, c'est ça. Que... Attention, maintenant va y avoir les. AD. Ah ouais. Attention au petit. Ouais. Du coup, ouais, quand l'AD pop, on sait qu'on peut aller à côté. Oui. Sans se mettre devant. Toi, faut pas être dans le cercle là. Faut qu'il y ait que Méo dans le cercle. Rokuma, je sais pas. Ad. C'est facile hein, avec l'ad comme ça. Ah non, ouais, du coup. Ah bah non, du coup, non. C'est bon. Mais restez où je suis, restez où je suis. Restez là où est Méo, et après aller à gauche. Et on va à gauche. Voilà. Il bouge un tout petit peu, c'est bon. Moi je vais burst là. Les fidèles. Attention, côté. On va de l'autre côté. Ça s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ça frappe. Sauver les miches à Fongo. On peut rien faire contre la pluie là. Ça fait mal. Non. Ouais, ça fait super mal et tu peux rien faire quoi. Faut tourner vers la gauche. Enfin, vers la droite, sans des aiguilles d'une montre. Ah, je me suis. Putain, le con. Ah, dommage. Ah, pardon, c'est mal. J'ai fait un mauvais call. J'ai pas Allez, été attentif. C'est bon try. Ouais, j'ai pas regardé. C'est vers la gauche de mon point de vue. Ça va faire mal. Merci du follow. Je sais pas si on a vu l'alerte. Allez, 23%. Allez. Merci Drake et Azur pour le follow. Merci beaucoup. Arrête de rien. Pas mal. Allez, pas de fail. Ouais. Allez, on l'a. On t'a un peu surmergé à la fin, mais bon, on a perdu à DPS. Ouais, bah en plus, les fidèles pop non-stop. Une fois qu'elle est en dessous des 33%. Ah, ouais, donc, oui, c'est vrai, oui. Ah oui, les fidèles. Il faut encore les dégommer ou il faut oh, je sais pas.
Qu'est-ce qu'ils font les fidèles? Je sais pas, moi quand j'ai commencé à les taper, ils m'ont explosé la troupe. Ouais, en fait, ouais, ils font assez mal en vrai. J'avais pas eu l'aggro sur eux. Je sais pas, technique, c'est juste les fidèles. C'est tout. Ça dit rien d'autre. Attends. Quitte le codex. Mythique. Après, moi je peux en bump un de temps en temps, mais. Fidèle pour, plus. Les Barcraves hein, les invoque à 66, 33. Ouais, sur Jésus du sol de façon continue. Mais après. Ouais, c'est. Oh bah. Oh merde! What the fuck? Ah bah, go! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, go pas. Bon. Oh putain, je me balade à côté, s'il passe rien, et là d'un coup. C'est trop près. C'est trop près. J'allais lui faire un slash salut en plus. Oh bah. Elle a pas aimé. Elle est pas gentille. Ah, je suis chasseur. Ah mais mon buff Kyrian ça dure 23 heures en fait. J'avais pas tilté. Ouais, c'est un salut pour la journée complète. Un buff Kyrian. Kyrian. Qu'est-ce que t'as comme buff qu'est-ce que... J'ai un buff qui me dit que quelqu'un vous trouve formidable. Voilà. Ah voilà, c'est quand on appelle son régisseur, on dit envoyer à quelqu'un que vous. Oui, hein. À quelqu'un que vous aimez. Avec quelqu'un, donc à mon avis, dans les amis, il y en a un qui reçoit, vous êtes formidable. Mais on choisit pas, hein, c'est envoyer à un ami qui est formidable. C'est ça, je vais le faire. Merci, je suis flatté. Bon allez, c'est avec ça on tombe pas le boss. En plus, il fait penser que chaque fois j'oublie, mais voilà, vous pouvez me chanter une chanson. Dire à l'un de mes amis combien il est formidable. Je le suis déjà, hein. Allez, on se concentre. J'oublie de prendre mes flasques. On observe bien les tentacules, on se trompe pas de sens. Oui. On n'écoute pas mes calls gauche et droite parce que ça veut rien dire. Exactement. Et on la donne. Allez, 23%, c'était dernier try. C'est ça. Sera sans détourne du coup. Pas de soucis. 3, 2, 1. Allez, tous sur la Mad. Juste à côté. Oui, côté pas devant. Entre les tentacules. Mais entre. Entre. Mettez-vous entre. Lâchez pas, touchez pas mon glaçon. Hein. Toujours ça de gagner. Allez, nickel. Add. Ouais. Elle est toute seule. Ah. Oula, oui, d'accord, faut se mettre à côté et là faut aller là où elle a tapé. Ouais, elle tape toutes les autres. Ah, il y a quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Ouais, Lydan, fallait pas y aller. Ah, mais en fait, j'ai. Allez, on se met. Faut se mettre à côté de celle qui est toute seule. Et on se pack. Oh, le coup, ça m'a surpris. Bon, il y a un milliard de patterns et je sais pas, on en découvre. Ouais. Ok, on est bien là, mettez-vous bien à côté. Attention, pas dessus. On se met dessus. Non, Fargo. Aïe. Allez, sur le cas.
Elle est au fond. Ouais, elle est de l'autre côté, ouais. Et plus de vie. Focus boss. Ah bah. Oui, vas-y. Tente, hein. Ah, je suis tout seul. Ah, oui, oui. Oui. Allez. Tu vas même pas fier. Tu dois être au cac. Tu dois être au cac. Tu dois être au cac. Pourquoi je dois être au cac? Parce que. Y'a rien parce au cac là, y'a pas d'ad. Qu'est-ce que tu me dis, faut être au cac? Parce qu'elle te lance des sorts si t'es pas au cac. Ah, bah c'est grave, je la cut. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, 7%. Ah, my bad. Là, j'ai... Ouais, est-ce qu'on va encore découvrir de nouveaux patterns? Ouais, en c'est fait, trop bien, j'ai déjà fait 4 ou 5 fois et à chaque fois il y a des nouveaux patterns. En fait, c'est vraiment pas grave si si les fidèles arrivent au cac. Justement, moi je les. Tu les taunt? Ouais, je les taunt petit à petit avec pas beaucoup, justement, juste avec un lancer héroïque. Non, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? C'est ça qui. Ils te font pas trop mal? Ils tapent qui quoi? Bah, ils font mal, gêne, mais... ils la buffent. On a des debuffs maladie aussi. Ouais. Ouais, ça on peut rien y faire, ça c'est la boss qui. Les debuffs maladies, c'est elle qui. Ouais, qui les parfois balance. On en a deux, parfois on en a quatre. Ouais, en fait elle fait pluie contagieuse. Et Bon, ça dure pas longtemps, mais à la fin, ça fait beaucoup de dégâts. En fait, elle libère un torrent de peste toutes les 2 secondes pendant 6 secondes. Les joueurs sont enduits de Sani et subissent des dégâts. 300 toutes les secondes pendant 6 secondes, cet effet est cumulable. Ah bah du coup... Allez, on la refait. Je sais pas s'il y a moyen de cut. Je vais essayer de cut sa pluie, tiens, pour voir. Non, elle se cut pas. Non, ok, t'as déjà le test. J'ai regardé, ouais. Ok. Ok, bah... 3, 2, 1... Ad. Fango spack, Fango. Toi, c'est ça la pluie. Ah, j'ai pas essayé de cut, merde. Bon, non, ah, mais ouais, oui, mais cut. Si tu me dis que ça marche pas. Allez, attention au tentacule. Ah merde, pardon. J'ai voulu. T'inquiète. De l'autre côté. Le con. Ad. Je suis tué. Ad. Sur le tentacule, tournez bien. Ah, ah. Oh non. Tentacule. Franchement, ouais, les dégâts. Ouais, les fidèles, ils m'ont mis 35k de dégâts, mais. En tout?
Ouais, en tout. Bah quand elle est tentaculée, qu'elle est plus là, il faut les faire, j'imagine. Ouais. Et du coup, pour les DPS, faut qu'on claque nos CD de défense hein, pendant les pluies, que ça fait mal aussi. Et comme on peut pas la cut. Je regarde un truc vite fait. Ah, pas la musique du coup. De quoi? Tu t'es arrêté en haut de l'escalier. Ouais, je continue, ouais. J'étais pas en marche auto. Je regarde juste. Comment est-ce qu'ils gèrent les ZAD? S'ils les esquivent totalement ou s'ils les font, mais... Ouais, non, ils les font, hein. En fait, ils burst les ZAD un par un. Ok, bah go burst les ZAD alors. De plus proche au plus loin. Burst les ZAD un par un, c'est qui buff les ZAD? Burst. Ah, burst les. Ouais, ah, ouais, ils burst. Tu regardes une vidéo. Ouais, je viens juste de voir. Et en fait, ils switchent de un ZAD sur un ZAD. Et tous les DPS sont dessus. Et les ZAD. Enfin, les fidèles tombent super vite, quoi. Ok. On va faire ça. Ouais. Ok. 3, 2, 1. À côté de l'AD. C'est des défensifs là pour la pluie. Il y a une tentacule, mettez-vous à côté. Et maintenant dessus. Ah merde. Bah c'est bon. Il y a une tentacule à gauche. Ouais. Mettez-vous à côté. Une fois qu'elle explose, dessus. Allez sur la tentacule. Faites celui que vous voulez. Ad, faites gaffe, restez pas devant. Et pas trop loin quand même. Ad. Mettez-vous à côté. On passe au 33%. Allez, entre les tentacules. Allez, j'ai mis les signes. Entre les tentacules. Tentacules. C'est sûr, il y a les deux derrière. Ouais. Allez, on se décale. L'autre, je vais le glacer en boucle, hein, pas la peine de le DPS. Ok. Ah. T'inquiète. Tentacule. Ouais, tentacule. Tentacule. Décalez-vous. Allez, 6%. Faites le boss, hein. Focus, faites le boss. Focus, focus boss. Je taunte les ZAD. Hein. Tentacule, attention. Yes! GG! Yeah, GG! Bien joué! Allez, donne-moi les pieds. Dommage.
Oula. Allez, donne-moi 13 pièces d'or. Yes. Bon, bah c'est pour Illidan ou pour Ofti, GG. Ouf. Deux loot, Ofti. Tu veux le dos, c'est pas mes... Ah oui, oui. Non, Fango. Ah, parce merde. Que Fango m'a déjà filé une pièce. Fuck. Tu veux ça? Bah GG à vous. Ah, je peux pas les charger, merde. Ah, dommage. t'as pas mûri. Dommage. Non, il dit je peux pas les changer. Ah mais par contre il a les jambes à te filer. Eh ben c'était cool. Oui. J'ai arrêté le stream ici. Tu pourras peut-être pas non plus. Et la VOD. Non ouais, je voulais bien donner la cape. Hâte poli, c'est pas. Mon avis tu peux pas non. Hop. Je me suis mute sur Discord. Merci d'avoir regardé cette VOD sur YouTube. Cut, on se dit rendez-vous très bientôt pour du raid. Le raid va bientôt sortir. Le temps de choper encore un peu de stuff en mode mythique. Et on partira certainement encore une prochaine vidéo mythique bientôt.